Good morning, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui, les Lunishmat Dov, Benyudit et Eviatar Amram Ben Chedva. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 unités éternelles. Nous étudions aujourd'hui Maserhat Shabbat, Berik Bet, Mishnah Hey. Amchabet Aner, Mipene Shou, Mitiare, Mipene Goim, Mipene Nislim, Mipene Ruach Ra'a, Veim Bishvil, Achole, Sheishan, Patour. Kechas al Aner, Kechas al Hashemen, Kechas al Petila, Chayav. Verbi Yosef Poter, Bechulan, Chutz Mina Petila, Pour bien expliquer cette Mishnah, on va commencer par la deuxième partie de la Mishnah, en expliquant une marloquette essentielle dans Shabbat, le principe de Melacha Sheena Tzricha Legufa. Littéralement, une Melacha, un travail type que l'on ne réalise pas, Sheena Tzricha, que l'on n'a pas besoin, Legufa, pour sa fonction essentielle, si je peux traduire comme ça. C'est-à-dire, en deux mots, toutes les melachot de Shabbat sont déduites du Mishkan. Lorsque les Bnei Israël dans le désert ont fabriqué le Mishkan, ils ont réalisé toutes sortes d'actions, de travaux types, d'actions importantes, d'activités créatrices, comme ça on a l'habitude de les traduire, et donc toutes sortes de travaux pour pouvoir obtenir des végétaux, pour obtenir de la laine, pour confectionner des habits, des teintures, d'accord ? Toutes sortes de travaux. Il y en a 39, on les découvrira quand on arrivera au Perek Zayin, donc l'Al Gadol. Il y aura une Mishnah qui va toutes les énumérer une après l'autre. Et après, dans la suite de Shabbat, on en expliquera chacune sa définition exacte, qu'est-ce qu'elle implique exactement. Maintenant, chaque action, et plusieurs interprétations comment ça a été dit, on va suivre le Pshat de Tosot qui est rapporté ici dans le Tosot Yom Tov, c'est ce qui est le plus facile. Chaque action Melacha type, chaque travail type, eh bien elle a été faite dans un but particulier, au Mishkan. Ça, ce but-là, c'est ce qui définit la Melacha. Ça s'appelle que Melacha, c'est Tzricha Legufa, une Melacha qu'on réalise pour son but. À exclure, et c'est une discussion, est-ce qu'il faut l'exclure en fait, une Melacha Shena Tzricha Legufa, une Melacha qu'on va réaliser la même action, mais dans une intention différente. On va prendre, pourquoi aller chercher ailleurs? On va prendre le cas qu'on a ici chez nous. Au Beit HaMikdash, le fait d'éteindre, c'était tout simplement pour fabriquer des bois, des charbons, plutôt des mèches. Alors, quand on fabrique une mèche, apparemment aujourd'hui on n'est plus tellement confronté au problème, mais lorsqu'on fabrique une mèche, elle a du mal à s'allumer tout de suite. Pour qu'elle s'allume bien, eh bien il fallait l'allumer un petit peu et l'éteindre tout de suite. Il s'avère que l'action d'éteindre au Beit HaMikdash, on l'a réalisée pour faire que la mèche va être mieux. C'était une action, j'ai oublié peut-être, j'ai introduit une petite notion, entre parenthèses auparavant, ça va vous aider. Il y a des actions, parmi les travaux types interdits, il y a des actions qui sont créatrices, il y a des actions qui sont apparemment plutôt destructrices. Par exemple, on va voir une melacha de coudre ou déchirer. Coudre, on fabrique quelque chose, mais lorsqu'on déchire, apparemment, on fabrique rien. Eh bien, pour ce type de melachot, alors, ça s'appelle la mekalkelin. Quoi la mekalkelin? Il y aura une Mishnah qui va nous apprendre plus loin. Tout ce qui est, on est mekalkel, tout ce qu'on détériore. Tout ce qu'on détériore à Shabbat, en général, on n'est pas condamné, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Il faut que pourtant, il y a des actions, des travaux types, des melachot, qui sont des activités destructrices, et on apprendra que l'on est chayav sur elles, que si on les fait pour créer quelque chose. Je m'explique, on va par exemple déchirer un tissu pour pouvoir le recoller mieux. Ouais. Lorsqu'on coud un vêtement, et bien de temps en temps, il faut déchirer pour pouvoir recoller. Par exemple, pour faire une pince, pour retrécir une chemise, par exemple, pour faire plus cintré, eh bien, on va déchirer, puis recoudre tout de suite. Alors, lorsqu'on va déchirer pour recoudre tout de suite, alors là, on va être sur les sons de déchirer. Idem pour tout type d'action, il va y avoir le fait de imaginez, vous voulez détruire un immeuble. C'est une activité destructrice. Si vous le détruisez pendant Shabbat, ce ne serait pas chayav. Mais si vous le détruisez pour reconstruire après lui, donc votre action de détruire, ça devient une action créatrice. Vous êtes en ce moment en train de préparer le terrain pour construire ensuite un autre immeuble, beaucoup plus beau. D'accord? Ça, c'était donc la petite parenthèse pour les activités destructrices que l'on est chayav que si on les utilise pour construire. J'arrive maintenant sur le fait d'éteindre un feu à Shabbat. Comme je vous ai dit, prenez un bois et essayez de l'allumer, il va être difficilement allumable. Ou bien une mèche, on va prendre du fil,
on va fabriquer une mèche, la mèche on va l'allumer, elle va avoir du mal à s'allumer. Pour qu'elle s'allume bien, eh bien, il va falloir être mehavhev ota. Il va falloir la faire griller un petit peu. Lui mettre un peu le feu dessus, l'allumer un peu, et l'éteindre tout de suite. Ça, c'est l'action qu'on faisait au Beth Amigdash pour préparer toutes sortes de... pour préparer les nérodes de la menorah, ou bien encore, j'imagine, j'ai pas vu écrit, mais j'imagine que c'est le même principe, pour les charbons, pour pouvoir utiliser les charbons, pour pouvoir brûler le feu. Il y avait des gens qui s'occupaient de prendre des bûches de bois, ils les faisaient prendre, ils faisaient que le feu prenne dessus, et après ils les éteignaient tout de suite. Comme ça, maintenant, on n'a plus une bûche de bois, on a une bûche de charbon, d'accord? Donc il fallait éteindre pour pouvoir préparer le réallumage. Ça, c'est l'action type. La menachat tzricha les goufa de Shabbat, c'est éteindre pour allumer. C'est éteindre pour améliorer son rallumage. D'où la question maintenant, ça va être la deuxième partie de la Mishnah, comme je vous ai dit. Si on va rallumer, si on va éteindre un nerf, mais pas pour que la flamme se rallume mieux. La flamme, elle était parfaite, elle n'avait aucun problème. Mais plutôt pour économiser l'huile. Ou bien parce qu'on a peur que le verre, la veilleuse va se casser. Ouais, des fois ça arrive. La flamme, elle arrive trop bas, et puis elle casse le verre. On a peur que ça arrive, on éteint la flamme. Est-ce qu'on transgresse l'interdit de Shabbat de Mechabé? C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser, de faire l'action d'éteindre pour quelque chose de positif, certes, mais qui est plus pour fabriquer pour améliorer une mèche, mais qui est plutôt pour sauver quelque chose d'autre. Est-ce qu'on transgresse l'interdit? Il y aura sur ça une marloquette dans la fin de la Mishnah. Ça va être l'histoire de Kechas à la mer, on va la traduire après. Parce qu'on a pitié, on a pitié. Kechas, on est chas, on veut. D'accord, on a pitié du nerf qui va. De la veilleuse qui va s'allumer, de l'huile qu'on va trop brûler pour rien, ou bien de la petite là, on a besoin d'utiliser pour demain. C'est pas qu'elle est parfaite, elle s'allume très bien. On a besoin de la sauver pour demain. Il y aura une marloquette sur ça. Et maintenant, je reviens sur la première partie de la Mishnah. Il s'avère que la première partie de la Mishnah, elle parle en fait d'un sujet un peu différent. On parle cette fois-ci de quelqu'un qui va éteindre un feu, mais parce qu'il a peur de quelque chose, par exemple. Ouais, on se traduit directement. Amchabe etaner, ça va être plus facile, je vais vous dire des exemples, ça ira mieux. Amchabe etaner, celui qui éteint une veilleuse. Mipene shu mitiare, mipene goim. Parce qu'il a peur, parce qu'il y a des goïms. Et alors, quel est le problème? Ben, la Gemara rapporte qu'en fait, il y avait les peuples chez les Perses. Le jour de leur Avodazara, il fallait pas que... C'est interdit d'allumer des veilleuses chez soi. On allumait les veilleuses que à la Avodazara. Mais pédélistime, ou bien parce qu'il a peur des voleurs. Il est imaginé, d'accord, il est dans un endroit, si jamais il laisse la lumière aller chez lui, les voleurs ils vont venir chez lui. Mipene roach ra'a. Ou bien parce qu'il y a un mauvais esprit, comme ça il rapporte le Batanora, c'est-à-dire il a, je ne sais pas exactement ce que c'est, il y a un esprit qui veut venir s'emparer de lui, je ne sais pas, s'incarner en lui, ça se prendra à vie, le Rambam il a une autre explication, en fait c'est quelqu'un qui a une forte migraine, il y a une sorte de maladie qui arrive, et se guérir de ça, c'est s'enfermer dans le noir. Ou bien Veim Bishvil Achole Sheishan, ou encore au Mipne. Parce qu'il y a un malade qui veut dormir, la Mishnah nous indique qu'il est patour, qu'il est dispensé. Sur ça, maintenant, la Gemara l'explique, je vous donne directement le pshat final de la Gemara. On parle quand on est dedans, on parle de cas où il y avait des dangers dedans. C'est-à-dire, on parle qu'il y avait, si le goy va t'attraper avec le nerf allumé aujourd'hui, il va trancher la tête. Ou encore, les voleurs, ils risquent de le tuer. Ou encore, le malade, on parle d'un malade que si la flamme elle reste allumée, eh bien, il peut mourir plus vite. Alors, on aura le droit de l'éteindre. Il y a marqué Patour, mais c'est pas Patour. Elle va la source, c'est Patour ou Moutard. Il est dispensé si elle éteint, et c'est même permis de le faire, parce que pour Pikuar Nefesh, on transgresse le Shabbat. Par contre, la Gemara précise, c'est aussi dit dans le Mefarshim, si toutefois il éteint le nerf, mais ce n'était pas un besoin vital, eh bien il transgressera l'interdit, parce que la Mishnah passe pour le moment selon Rabbi Yehuda, qui est la suite de la Mishnah. D'accord? Je continue maintenant la suite de la Mishnah. Qui est chasse à la nerf. Il éteint la flamme parce qu'il est chasse à la nerf. Il a pitié de la veilleuse. Elle veut pas, il veut en garder pour demain. Qui est chasse à la shemen. Non, plutôt, il a peur que la veilleuse va se casser. Qui est chasse à la shemen parce qu'il a pitié de l'huile. Qui est chasse à la petit là.
ou bien parce qu'il a pitié de la veilleuse, c'est-à-dire il veut garder la mèche pour la réutiliser, il a besoin d'un petit bout de mèche pour demain encore, eh bien, Chayav, il sera condamnable cette fois-ci, parce que, comme je vous dis, la Mishnah, cette première partie de la Mishnah va selon Rabbi Yehuda, qui pense que Menacha, Shenatzircha Legufa, une Menacha que l'on ne fait pas dans le but pour lequel elle a été faite au Mishkan, eh bien, on est Chayav, malgré tout. Tandis que Rabbi aussi, Poter Bechulan, Rabbi aussi dispense dans tous ces cas de figure, il dispense du Chiyuv. Il ne rendra pas Chayav, à une exception, Chutz Minapetila, à l'exception de celui qui va éteindre la mèche. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il l'éteint, il va la faire un pécham, littéralement un charbon, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire qu'elle va être mieux réutilisable. Les méfarchim expliquent que même lorsqu'il va l'éteindre, parce qu'il veut économiser un bout de mèche, toujours quand on éteint une mèche, on se dit « Ah, c'est super, je vais même gagner que la prochaine fois, elle s'allumera mieux. » Donc il a toujours, un petit peu inconsciemment ou consciemment, une intention « Shumit kaven la sota archav et kibouize pécham ». Lorsqu'il l'éteint, il a l'intention de sauver de faire en sorte que la mèche elle va être mieux rallumable. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Aslacha kol tov. Salam.